Dans nos pratiques, on s'interroge beaucoup. Alors, dans les thèmes de ce soir, évidemment, il y a la question de la vaccination. Quand on va sur les moteurs de recherche, on va plutôt avoir les détracteurs des questions de vaccination que les médecins, etc. Alors, quelle idée on peut s'en faire? Comment protéger notre enfant? Comment protéger la société aussi? Ce sont des thèmes qui sont intéressants et pour lesquels on manque parfois de recul et on est un petit peu perdu. Alors nous, on a grand plaisir à accueillir en dehors du centre hospitalier les praticiens de l'hôpital. Je voudrais saluer aussi le docteur Bernard, le président de la CME, et le docteur Berthaud, qui nous accompagne sur toutes ces opérations à peu près tous les deux mois. Et on est ouvert évidemment à d'autres thématiques. Ce qu'on préfère, c'est que les thèmes viennent de la population et du public pour après mieux être plus utile encore. Donc nos services sont accessibles. Voilà, bonne soirée, merci. Merci beaucoup, Madame Macarès. De toute façon, je voulais vraiment vous remercier de nous avoir permis et donner les moyens, surtout d'organiser à bien cette soirée, parce qu'on avait décidé avec mes collègues que le pôle 1, mère, couple, enfant, se déplace dans la ville, dans sa ville, vient à la population, vient vers les gens et échange avec eux. Donc c'était une idée au début de faire des portes ouvertes, mais déplacer les gens, il faut choisir l'horaire, la journée, etc. Donc on est venu et on a mis aussi dans le hall, comme vous l'avez vu, des stands. Ces stands-là sont très importants parce qu'ils reflètent toutes les... Enfin, ça dégage toutes les activités qui sont proposées au pôle, parfois pour certains qui sont connus parce qu'ils ont accouché dans le service, ils ont des enfants qui ont été hospitalisés en pédiatrie, etc., etc. Et il y a la chirurgie sémiologique qui est représentée, le planning familial. On n'a pas laissé de côté les thèmes qui sont... Voilà, tout le monde est là. Et ceci donnera l'occasion à la pause, et je vous inviterai à aller les voir. Vous allez trouver les médecins, on descendra tous, pour répondre à vos questions. Et on aura les sages-femmes, on aura les puéricultrices, on a les auxiliaires aussi, on a les infirmières, et tout le monde est là pour répondre à vos questions. Et pourquoi pas, voir pour ceux qui ne connaissent pas les services du pôle 1, proposer par la suite de faire plutôt la ville dans l'hôpital, et puis vous viendrez avec des visites guidées pour voir tout ce qu'on peut vous proposer sur le plan gynécologique, obstétrical, pédiatrique, etc. Voilà. Alors on a choisi pour ce soir trois thèmes, comme vous l'avez dit, la vaccination, quelque chose d'important, et on a demandé à M. Lahouari, 11 vaccins en moins, chef de service donc de néonatologie. Je signale aussi la présence ici de notre collègue Monsieur Philippe Dolem, chef de service de pédiatrie, un service très actif avec toutes ses femmes autour de lui parce qu'il n'a que des collaboratrices. Il est là, tu peux te lever quand même qu'on te voit. Voilà, comme ça je présente les gens. On a après demandé à Madame Dron un sujet qui me disait tout à l'heure le journaliste, c'était tabou, pourquoi maintenant vous en parlez? Je dis parce qu'il y a une transparence. Elle aura l'art et la manière de nous le dire sur les violences obstétricales, sujet à polémique, mais vous verrez qu'on peut échanger et surtout ne vous retenez pas de poser des questions. On fera une pause, vous visiterez les stands, on échangera et après on reprendra en duo avec Jean Gondry qui nous a fait, le professeur Jean Gondry qui nous a fait l'amitié et le plaisir de venir d'Amiens. Alors il est chef de service de gynécologie obstétrique, mais il est le référent français européen, je dirais international, sur les pathologies cervico-vaginales, puisqu'il est le président de la Société française des pathologies cervico-vaginales. Et je tiens vraiment à te remercier, Jean, de tenir compagnie pour ça. Voilà, donc j'espère que cette soirée sera surtout une rencontre d'échange et à consommer sans modération. Venez vers nous, posez toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes, ni gênante, on est là pour échanger et on est entre nous. Merci beaucoup. On va donner la parole à M. Lahouari. Merci M. Damali. Donc, bonsoir à tous et toutes et tous. Ils m'ont demandé de parler d'un sujet qui intéressera tout le monde. Donc, nous avons réfléchi ensemble, finalement, nous avons trouvé quand même les vaccins. C'est un sujet qui ne touche pas uniquement les enfants, il touche les enfants, les adolescents, les adultes, les vieillards.
C'est quoi la vaccination? La vaccination, c'est une grande découverte au niveau de la santé publique. Ça a commencé depuis très longues années. De nombreux travaux ont été faits. La vaccination a permis quand même de sauver pas mal de gens. Comment faire? Il faut se faire vacciner avec un bon vaccin, respecter bien le calendrier vaccinal, car il y a certaines maladies infectieuses, dangereuses, graves, on peut les éliminer par le vaccin. Avant de parler de la vaccination actuelle, quand même, il faut revenir dans l'histoire. Les vaccins ne sont pas d'aujourd'hui. Quand même, ça fait des centaines d'années. Les médecins, les chercheurs ont déjà travaillé sur ce sujet-là. Pourquoi on a travaillé sur ce sujet-là? Quand même, à chaque fois, il y a une épidémie, des milliers de morts. Qui a fait c'était les chercheurs, les scientifiques, les médecins, à trouver la cause pour éviter quand même cette catastrophe. Donc, ils ont travaillé sur plusieurs axes. On a réussi à avoir l'eau potable à cause pour l'hygiène. Mais deuxième chose quand même, il faut identifier l'origine, le microbe, le virus. Une fois qu'il a été identifié, ça nous permettra de trouver l'arme adaptée pour nous défendre. L'histoire remonte très loin. Donc je ne vais pas très très loin, je vais au 17e siècle. Dans un village en Angleterre, une épidémie de la variole qui venait tous les ans, était responsable de la mort de des milliers de personnes. Un médecin britannique commence à réfléchir. Comment faire? Pourquoi il y a certains gens qui sont en contact avec la variole, ne sont pas malades, et par contre, il y en a d'autres qui sont malades. Donc, ça fait travailler très nombreux. Plusieurs années. À cette époque aussi, il y a le roi français Louis XV qui est décédé suite à la variole. Donc, ce n'est pas question de l'hygiène, quand même, on doit avoir quelque chose. Donc, au 19e siècle, le français Louis Pasteur, c'est un docteur en sciences. Elle a travaillé sur ce domaine-là, il y avait l'épidémie de choléra. Il a réussi finalement à isoler, à trouver la souche, à isoler le virus. Comme il n'était pas médecin, il a eu du mal au premier temps de travailler avec les médecins, mais au bout de quelques années, finalement, ils ont accepté son idée. Il faut identifier, il faut isoler le microbe pour trouver le vaccin. Finalement, on a réussi à trouver le vaccin contre la rage en 1885. C'est le premier vaccin qui a été instauré. Et on a fait vacciner un enfant avec ce vaccin-là. Et là, la révolution mondiale au niveau des vaccins. L'Institut Pasteur a été fondé en 1888. Au XXe siècle et XXIe siècle, une fois qu'on a trouvé, on est arrivé à identifier le virus ou le microbe, après les découvertes sont accélérées. Le vaccin contre la tuberculose, le BCG en 1921, jusqu'en 1954, le vaccin contre la polio. Et là, le vaccin existe pour certaines maladies infectieuses, contagieuses, graves et mortelles. Sont là. Et le débat commence. Est-ce qu'il faut vacciner ou pas? Est-ce qu'il faut vacciner certains gens ou pas? Est-ce qu'il faut vacciner tout le monde ou pas? Donc le débat a été lancé depuis 1958. 1958, là, l'Organisation mondiale de santé a décidé de vacciner toute la population à risque contre la variole. A mis un objectif d'éradiquer complètement cette maladie-là. En 1976, l'OMS a déclaré l'éradication totale de cette maladie-là. En 1990, éradication presque totale de la polio, avec une réduction remarquable de la rougeole. Un objectif qui a été mis, l'éradication totale de la rougeole pour l'année 2000. Et malheureusement, ce n'est pas fait. Quand on parle d'un vaccin, il faut savoir qu'est-ce qu'il contient. Il faut des traces de virus ou de microbes pour pouvoir fabriquer un vaccin. Il y a deux types de vaccins, soit un vaccin vivant, soit un vaccin inactif.
Et la majorité des vaccins sont inactifs. Pour que le rendre efficace, il faut rajouter des choses. Qu'est-ce qu'on rajoute? Les adjuvants, des conservateurs, des stabilisants, pour permettre quand même de garder ce vaccin le plus longtemps possible et de le transporter. Et comment ça marche? Notre organisme, nous avons un système de défense. Quand il y a un microbe qui pénètre dans notre organisme, il y a des cellules de défense qui réagissent pour éliminer ce microbe-là. Et le vaccin, c'est ça. On injecte soit des traces de vaccin, traces de virus dans le corps, comme ça, il va créer c'est une défense. Soit on donne un vaccin inactif, et là, la majorité des vaccins dans ce cas-là, et la présence d'adjuvants est indispensable pour plusieurs raisons, pour rendre ce vaccin plus efficace et faire moins d'injections. Là, je vous montre une vidéo concernant les adjuvants. Il existe deux types de vaccins. Les vaccins vivants atténués, qui sont constitués d'antigènes vivants modifiés, et les vaccins inactivés, qui ne contiennent pas de microbes vivants. Les vaccins vivants atténués ne nécessitent pas l'ajout d'adjuvants car ils sont déjà très efficaces. Les vaccins inactivés ne sont, eux, pas assez efficaces pour déclencher une réponse immunitaire suffisante contre la maladie. On leur ajoute donc une toute petite quantité. On va recommencer. L'adjuvant est très important. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 100 ans qu'on utilise le sel de l'aluminium. De temps en temps, vous regardez dans les médias ou vous entendez dans les médias que voilà, il y a des problèmes avec les adjuvants. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des effets secondaires, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de rajouter des adjuvants. Mais les adjuvants sont indispensables pour rendre le vaccin efficace. Quels vaccins qui sont obligatoires? Jusqu'au 31 décembre 2017, 3 vaccins étaient obligatoires, mais les autres étaient fortement recommandés. À partir du 1er janvier 2018, le calendrier vaccinal a été changé et les autres vaccins sont devenus obligatoires. On parle 11 vaccins obligatoires chez l'enfant de moins de 2 ans. Avant la rentrée en collectivité, l'école à la crèche ou à la crèche, il faut que l'enfant soit vacciné. Si on regarde, quand même, le vaccin contre la diphtérie a commencé en 1938, il était obligatoire.
Et le tétanos, c'est en 1940. Et la polio, 1964. La coqueluche, l'hépatite B, l'hémophilus, l'influenza. Les six vaccins-là, actuellement, sont dans le même flacon, la même injection. Ce n'est pas six injections différentes, c'est une seule injection. Le rogiole, rubéole, aussi, c'est la même injection. Les deux autres, c'est la pneumocoque et la méningocoque du groupe C. Et pourquoi sont devenus obligatoires ces vaccins-là? Si on regarde déjà dans les pays voisins, on est déjà en retard par rapport à l'obligation des vaccins. Mais ce n'est pas la raison. En 2016, un sondage a été effectué auprès des gens. 69% des personnes sondées sont vaccinées. C'est très peu. Et si on demande, on interroge ces jeunes-là, ils ne font pas très confiance au vaccin. Deuxième raison, la rougéole qu'on a dit, on espère d'éliminer cette maladie-là en 2000, nouvelle apparition. Donc, entre 2008 et 2017, 24 000 cas en France. En 2011, 15 000 cas. Quand même, c'est énorme pour une maladie où le vaccin existe. Pour cela, une des raisons, le décret est sorti, l'obligation du vaccin. Juste un rappel dans la loi, si les parents refusent de vacciner leur enfant, sans raison médicale, quand même il y a une pénalité. Il y a une prison de 6 mois et une amende. C'est en théorie. Si on regarde au niveau de un pic en 2011, où il y avait 15 000 cas, ça c'est juste le... C'est janvier 2008 jusqu'au février 2018, en 10 ans. Ça c'est la répartition en France, pour cette année, pour une année là, 2017 et 2018. On est dans l'Aisne, il n'y en a pas eu de cas déclarés. Mais actuellement, en France, depuis janvier jusqu'au là, en Île-de-France, il y a au moins 60 cas déclarés. Donc la rougéole, c'est une maladie qui revient. À côté des vaccins obligatoires, il y a d'autres vaccins qui sont recommandés. Pour toutes les jeunes filles, qui parlera tout à l'heure M. Gondry, je pense, un vaccin contre les cancers de col, qui est recommandé aux jeunes filles de 11 à 14 ans. Même il y a certains pédiatres, même ils proposent ce vaccin-là aux garçons aussi. Parce qu'ils se disent pourquoi il faut attraper la maladie. Parce qu'en fait, c'est une infection grave. Comme la fille peut l'attraper, le garçon peut l'attraper. La méningite, la méningocoque de groupe B, le varicelle, la grippe saisonnière, actuellement on est en plein épidémie. L'épidémie va commencer, la grippe saisonnière, donc on invite tout le monde, tous les gens à risque, les personnes âgées, les enfants immunodéprimés, les personnes fragiles à se faire vacciner, les gens qui travaillent en milieu médical avec les enfants sont invités à se faire vacciner. Il y a un vaccin contre la varicelle qui est sorti depuis 20 ans. Donc, au premier temps, on proposait systématiquement à tous les enfants. Là, actuellement, on propose moins. La varicelle, c'est une maladie infantile, mais à proposer chez les jeunes filles. Quand ils arrivent à partir de 7-8 ans, qu'ils n'ont pas eu attrapé la varicelle, c'est préférable qu'on vaccine ces jeunes filles. Le vaccin contre la gastro, l'hépatite B, l'hépatite A. Il y a aussi d'autres vaccins en cas de voyage. Il faut s'adresser à la vaccination internationale. Et pourquoi on fait le vaccin, c'est tout, après la naissance. C'est vrai, quand on parle à un enfant, il faut commencer à partir du deuxième mois, les injections, ça fait mal. Oui, mais il faut faire le bien pour l'enfant. Parce que ces maladies-là sont mortelles, sont très graves, elles peuvent être mortelles chez les enfants. Nous avons vu des cas en pédiatrie au néonate, des coqueluches chez les bébés moins de 2 mois. Il y a eu des morts. Il y a eu méningite. À la naissance, chez les enfants, chez le nouveau-né, il y a des anticorps qui sont transmis de la mère chez l'enfant. Mais ces anticorps ne vont pas rester à vie. Ça va diminuer au fur et à mesure. L'allaitement maternel est très bien,
Mais ça ne transmet pas tout. Ça donne des anticorps, mais ce n'est pas suffisant pour protéger l'enfant à long terme. À côté de l'enfant, il y a l'entourage, il y a les parents. Les parents, s'ils ne sont pas vaccinés, ils peuvent contaminer leur enfant, même s'ils ne sont pas malades, ils peuvent être porteurs. La famille, les voisins, les amis, les grands-parents, tous ces gens-là sont autour de l'enfant, sont des facteurs de risque s'ils ne sont pas vaccinés un jour. Y a-t-il des risques pour les vaccins? Le risque zéro n'existe pas. Mais quand même, il y a des réactions mineures et des réactions majeures. Les réactions mineures, c'est les plus fréquentes. Un peu de fièvre, rougeur, fatigue, au niveau pas d'injection. Mais il y a des effets secondaires graves, sont très très rares. Donc à chaque fois qu'il y a une réaction grave, à ce moment-là, il faut déclarer, il faut signaler, pour avancer, approfondir la recherche pour éviter ces complications. En conclusion, certaines maladies évitables réapparaissent, sont des maladies qui peuvent être mortelles, très graves, qui peuvent laisser des séquelles neurologiques. La phrase qui est idéale, mieux que prévenir que guérir. Nous avons le vaccin, nous avons le moyen de se protéger. Pourquoi on ne le fait pas? En vaccinant, on se protège et on protège les autres. Les effets secondaires du vaccin sont minimes, sont exceptionnels. Les complications graves sont très rares. Il faut voir le pour et le contre. D'attraper, de faire une réaction au vaccin, c'est beaucoup moins grave qu'attraper la maladie même, sachant que le vaccin est là. J'ai remis le calendrier vaccinal 2010. Donc, comme vous voyez, il y avait des vaccins de 2, 3, 4 mois après des rappels. Pour le calendrier vaccinal 2018, les vaccins c'est 2, 4, 11. Certes, il y a 11 vaccins, c'est 11 maladies, mais les injections, il n'y en a pas 11. Il y en a 6. 6 vaccins déjà dans le même flacon, donc c'est une injection. Et 3 autres dans le même flacon, c'est une injection. C'est vrai, quand on parle 11 vaccins, c'est énorme, mais c'est du vaccin qui protège contre 11 maladies. Et malheureusement, actuellement, il y a certaines maladies qui sont de retour. C'est des maladies évitables. Quand ça arrive, c'est très grave. Les séquelles sont importantes. Il y en a encore des gens qui hésitent pour les vaccins. Mais le vaccin, c'est la prévention. C'est une question de santé publique. C'est pas que nous. Quand on se fait vacciner, c'est pas que nous. On se protège. On protège les autres. Les grands-parents, les gens parents en maternité, on parle, il faut regarder vos vaccins. Si les vaccins sont pas à jour, il faut se faire vacciner. Il faut s'adresser au médecin traitant. Il faut reprendre ce réflexe-là de regarder son carnet de vaccination. Voilà, merci à tous. Voilà, la parole est à la salle, donc vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête, docteur El Aouari. Qui se fait, et puis ça fait son chemin, et puis on pourra poser des questions après. Merci beaucoup.
Donc pour ceux qui sont arrivés en retard, Annick Marie Dron est praticien hospitalier dans le service de gynécologie obstétrique et s'est proposé pour s'atteler à ce sujet qui sont les violences obstétricales. Comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet un petit peu polémique et on a vu les premières manifestations il y a 2 ans à Lille lors du collège des gynécologues obstétriciens où il y avait des femmes et des couples qui ont manifesté pour savoir un petit peu quelles sont les actions à éviter pour que ça ne soit pas aussi considéré comme une violence. Alors Annick-Marie, je te donne la parole et puis on t'écoute. Bonjour à tous. Donc, je tenais à remercier d'abord Mme Macaré de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer aujourd'hui avec toute notre équipe, au Dr Huguet, le Dr Berthaud et le Dr Bernard qui sont présents pour leur soutien, au professeur Jean Gondry pour son parrainage pour ce premier rendez-vous de la santé gynécologique, à toi Adèle pour m'avoir donné cette patate chaude, et puis aux sages-femmes et aux collègues qui m'ont aidée pour la collecte des données. Donc le terme de violence obstétricale, il est apparu en France il y a environ 3 ans, avec un retentissement médiatique très important sous l'influence d'associations d'usagers et d'associations féministes. Il désigne tout comportement ou acte commis par un personnel de la santé qui n'est pas justifié médicalement et ou effectué sans le consentement libre et éclairé de la patiente, ou toute attitude ne respectant pas la dignité ou l'intimité des patientes. Donc pourquoi un tel phénomène ? L'obstétrique ne peut que nous apprendre l'humilité, car bien que nous ne soyons qu'accompagnants d'un phénomène physiologique, nous savons tous que des complications peuvent survenir à tout moment et toucher un enfant ou une femme jeune. Et ces complications sont d'autant plus mal acceptées qu'elles sont heureusement devenues exceptionnelles. La mortalité maternelle en France, c'est 80 cas pour 800 000 naissances. 80 cas de trop encore. La volonté de sécuriser au maximum ce moment unique, de soulager les parturientes et l'augmentation de l'impact médico-légal a abouti à une hyper-médicalisation de la naissance. Par opposition, une voie s'est construite avec un désir de plus grande autonomie et de réappropriation de leur accouchement par les femmes. Ceci a eu des effets positifs et des effets négatifs. Donc, en effet, ça a permis de libérer la parole des femmes, d'exprimer une souffrance réelle, avec des séquelles physiques et psychologiques pouvant être lourdes, et de dénoncer des comportements individuels qui sont inacceptables. Au niveau des professionnels de la santé et de la naissance, cela a provoqué un profond désarroi et un grand découragement. Notre spécialité est certes passionnante à tous les points de vue, mais elle s'exerce en urgence dans la majorité des cas. Elle est particulièrement anxiogène avec un impact médico-légal fort. Imaginez une sage-femme en train de réaliser une épisiotomie ou un obstétricien en train de poser un forceps et de se dire qu'on est en train de faire subir aux femmes des violences, alors qu'on les accompagne au quotidien et que nous nous sommes toujours battus pour que leurs droits soient respectés. Notre prise en charge depuis de nombreuses années évolue vers une écoute de plus en plus importante des patientes et un projet de naissance individualisé dans la mesure du possible. Lors des recommandations de septembre 2018, l'Académie de médecine a déclaré, je cite, « Les très bons résultats en matière de la naissance, de sécurité de la naissance, n'autorisent pas une mise en cause globale, outrancière et injuste des professionnels de santé. » Ceci entraîne également une démotivation des plus jeunes pour notre spécialité, alors que notre spécialité est loin d'être pléthorique. L'orientation vers des lieux d'accouchement alternatifs, comme le domicile ou les maisons de naissance indépendantes des maternités, diminue la sécurité des mères et des nouveau-nés. Mais surtout, le point le plus important pour nous, c'est l'inquiétude suscitée chez les patientes qui nous posent des questions sur ce sujet en consultation. Donc c'est pourquoi notre équipe a jugé important d'effectuer une information transparente sur les pratiques de notre service afin de rassurer les patientes. Donc j'orienterai mon exposé vers les sujets qui ont suscité le plus de polémiques, c'est-à-dire les examens, la prise en charge à douleur, les voies d'accouchement. Donc une présentation rapide de notre maternité. L'organisation des maternités en fait est régie, est très structurée, est régie par des plans de périnatalité
périnatalité. Donc nous sommes organisés en réseau en fonction des plateaux techniques présents sur place. Nous, nous sommes une maternité niveau 2B, parce que nous possédons un service de soins intensifs pour les nouveau-nés, une réanimation pour les adultes. Nous prenons en charge les patientes, quel que soit le terme, bien entendu, dès le début de la grossesse, mais en ce qui concerne les pathologies de la grossesse ou les accouchements pathologiques, nous prenons en charge à partir de 32 semaines, c'est-à-dire 7 mois, voire 31 semaines dans certains cas. En deçà, nous transférons au centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui est notre niveau 3 de référence. Et nous accueillons également les grossesses pathologiques des maternités de niveau 1. Nous fonctionnons, nous assumons nos urgences 24 heures sur 24. Nous sommes donc un obstétricien, un anesthésiste et un pédiatre de garde 24 heures sur 24. Nous avons un bloc opératoire à proximité des 4 salles de travail. Nous avons également 2 salles de pré-travail, dont une avec une baignoire plus à orientation physiologique, et 3 chambres d'attente. Nous réalisons 3 staffs par semaine, dont un obstétrico-pédiatrique, où nous présentons la plupart de nos dossiers. L'établissement de la parentalité s'établit dès le désir de la grossesse. Mais pour être bien vécu, la grossesse et l'accouchement doivent être préparés. Donc lorsque vous ne présentez pas d'antécédents médicaux particuliers, vos grossesses antérieures se sont bien passées et que la grossesse actuelle ne présente pas de complications, vous pouvez choisir d'être suivi soit par une sage-femme, soit par un obstétricien. Dans le cas contraire, quand il y a des antécédents particuliers ou des pathologies des grossesses ou de la grossesse actuelle, dans ce cas-là, ce sont les obstétriciens qui vous suivent. Donc les consultations et les échographies sont essentiellement des temps d'échange pendant lesquels le bien-être materno-fétal est évalué et pendant lesquels nous répondons à vos questions. Les examens au spéculum, les touchés vaginaux, les échographies par voie vaginale sont effectués avec l'accord des patientes et sur indication médicale. Par exemple, pour apprécier l'évolutivité d'une grossesse précoce, l'insertion d'un placenta ou les caractéristiques d'un col. Cela permet de rassurer les patientes sur le déroulement de leur grossesse. Donc, bien entendu, ces examens sont gênants. Ils peuvent être désagréables, voire légèrement douloureux en cas d'infection ou en cas de particularité anatomique. Mais une douleur disproportionnée doit nous interroger. Y a-t-il eu des antécédents d'accouchement, d'attouchement dans l'enfance, d'agression? Y a-t-il une conception culturelle particulière de la sphère génitale par la patiente? Y a-t-il eu des expériences sexuelles traumatisantes? En cas de vaginisme marqué, c'est-à-dire une contraction involontaire et importante du périnée, des aides seront proposées à la patiente. Donc suivi par une psychologue, consultation de sexologie, sophrologie, voire hypnose, pour permettre un accouchement dans les meilleures conditions et une amélioration de la sexualité ultérieure. L'entretien du 4e mois, effectué par les sages-femmes, permet une vision globale de la situation de chaque parturiente et reprend les différentes propositions de suivi. Les cours de préparation à la naissance effectués par nos sages-femmes, qu'ils soient classiques, en sophrologie, en piscine, et la visite des locaux apportent des informations sur le déroulement de la grossesse, l'accouchement, la prise en charge de bébé, l'allaitement maternel. La consultation d'anesthésie en fin de grossesse permet d'envisager toutes les formes d'anesthésie en cours de travail, et la consultation du terme, si vous n'avez pas accouché avant, permet de gérer le suivi post-terme. Donc toutes ces propositions ont pour but une meilleure compréhension, une anticipation de ce qui peut se passer en cours de travail et donc de diminuer le stress des patients. En ce qui concerne l'accouchement, nous respectons bien entendu les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'accouchement physiologique. Je ne peux pas vous développer les différentes phases de l'accouchement, mais j'ai centré mon propos sur la prise en charge de la douleur et les voies d'accouchement. Donc, si la naissance d'un enfant est perçue comme un événement positif, l'accouchement est perçu comme douloureux par 60% des primipares et 45% des multipares. Donc, l'Association internationale pour la douleur définit la douleur comme une expérience subjective, c'est-à-dire qui peut être perçue différemment d'une patiente à une autre, prenant en compte des composantes sensorielles, donc une disparité de la répartition des récepteurs à la douleur, affectives,
L'intérêt d'avoir un accompagnement rassurant est primordial. Cognitif, je comprends mieux la douleur, je comprends pourquoi elle est présente, je comprends son intérêt, ça me permet de mieux la tolérer. Culturel, la conception de l'accouchement en fonction des pays, des cultures, des familles. Je vous laisse imaginer la répercussion de l'accouchement de la grand-mère expliquée avec force de détail à cette petite fille qui n'a pas encore accouché. Comportemental, face à des difficultés, comment je me comporte? Est-ce que j'arrive à lâcher prise? Et spirituel. Donc la dramatisation de la douleur va avoir un impact important sur son intensité, sur la durée, un effet négatif sur la durée du travail, la durée d'établissement au post-partum et l'établissement du lien mère-enfant. Avec les problèmes pendant la grossesse, psychologiques ou physiques, les interventions en urgence pendant l'accouchement et la primiparité, la douleur fait partie des facteurs de risque pour développer une dépression post-natale dans 10 à 20% des cas, voire un stress post-traumatique dans 1,3 à 6% des cas. C'est pourquoi il est important d'essayer de prendre en charge la douleur en fonction de la demande de la patiente et des possibilités thérapeutiques. Donc, dans le pré-travail, c'est-à-dire quand on arrive à la maternité parce qu'on a des contractions douloureuses et que le col n'est pas modifié, donc ça peut durer de 1 heure à plusieurs heures, on peut vous proposer soit des antalgiques simples, des morphiniques, l'utilisation du ballon, le bain chaud, la déambulation, ce que j'ai appelé la main tenue, c'est-à-dire la participation active, l'implication active de l'accompagnant. Dans ce cas-là, dans cette phase de pré-travail, le rythme cardiaque fœtal est surveillé en discontinu. Lorsque la dilatation du col est suffisante, on peut passer en salle de travail et dans ce cas-là, une péridurale vous sera proposée. Les chiffres que je vais vous présenter proviennent d'une étude rétrospective qui a été effectuée entre le 1er janvier, non pas le 11 janvier 2018, et le 30 septembre 2018 sur 910 accouchements. 78% de nos patientes ont bénéficié d'une anesthésie loco-régionale, la majorité du temps par anesthésie péridurale. 1,4% des patientes ont bénéficié d'une anesthésie générale. Les 20,6% des patientes restantes, soit ne souhaitaient pas de péridurale, soit souhaitaient une péridurale mais le travail était trop rapide, soit elles avaient une contre-indication, ce qui est rare mais qui peut arriver, ou alors un échec de mise en place. Et dans un nombre de cas très restreint, une indisponibilité de l'anesthésiste. Il est bien entendu que pour ces patientes, si on devait effectuer une réfection d'épisiotomie, une révision sous anesthésie, une révision utérine, on réalise une anesthésie locale ou une anesthésie loco-régionale, voire générale. En ce qui concerne les voies d'accouchement, 82,6% de nos patientes ont accouché par voie basse, avec pour 6,6% d'entre elles la nécessité de réaliser une épisiotomie, donc médiolatérale, en cas d'altération du rythme cardiaque fœtal ou en cas de manœuvre obstétricale ou extraction instrumentale. Et encore, dans ces cas-là, ça dépend beaucoup de la parité, de l'indication de l'extraction et de la qualité du périnée. Donc on pourrait s'arrêter là et se dire qu'on est vraiment très bon parce qu'on a un taux faible d'épisiotomie. Mais en fait, on est allé voir le nombre de sutures qui étaient nécessaires. Donc là, on a tout comptabilisé avec les sages-femmes. Même le fait de faire un seul point sur le périnée était comptabilisant. Donc on a 39,5% de sutures pour déchirure simple ou éraillure. Et deux périnées complets non compliqués. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus d'épisiotomie pour avoir moins de déchirures. De toute façon, le lien n'a jamais été montré. Mais je vous ai donné ces chiffres pour montrer que même en l'absence d'épisiotomie, ça ne voulait pas dire périnée intact sur un accouchement par voie basse. 9% des patientes ont bénéficié d'une extraction par forceps ou ventouse en fonction des indications. 17,4% des patientes ont bénéficié d'une césarienne, 35% étaient programmées, 65% en urgence. La plupart du temps, elles ont été réalisées en présence du père ou de l'accompagnant désigné par la patiente. Dans le cas des césariennes en extrême urgence, désignées sous le nom de code rouge,
pour altération du rythme important, hémorragie importante ou procidence du cordon. Le délai moyen entre le diagnostic et la naissance est de 15 à 20 minutes grâce à la proximité du bloc opératoire et l'entraînement des équipes. Pour référence, on considère que 30 minutes, c'est bien. Pareil, j'ai oublié de vous dire, mais 17,4% de césariennes. En France, la moyenne, c'est de 20 à 21%, si je ne m'abuse. En Italie, on monte à 35%, en Suisse, 40%, et on peut aller jusqu'à 75% au Brésil. La grande majorité de ces patientes bénéficient d'une réhabilitation précoce, c'est-à-dire qu'après leur intervention, elles vont en salle de réveil pendant 2 heures. À la sortie de la salle de réveil, on a enlevé la sonde urinaire. Elles n'ont plus de perfusion, elles n'ont qu'un cathéter. On leur a donné à boire et on leur propose un repas léger dès qu'elles remontent en chambre. Quelques heures plus tard, elles sont debout pour s'occuper de leur bébé. Des antalgiques sont donnés par contre de manière systématique pendant 48 heures. Donc, même si ces éléments sont extrêmement rassurants, il ne faut pas oublier qu'une césarienne, ça multiplie la mortalité par 2 et la morbidité par 4, par augmentation des hémorragies de la délivrance, première cause de mortalité maternelle, les transfusions, les infections, les troubles thromboemboliques veineux, et la morbidité ultérieure que ça entraîne en raison de la cicatrice laissée sur l'utérus et des problèmes placentaires ultérieurs que ça peut engendrer. Donc, en ce qui concerne les utérus cicatriciels, nous avons 67,8% d'accouchements par voie basse, ce qui met à bas l'adage une césarienne un jour, une césarienne toujours. Pour les grossesses gémellaires, 65,5% d'accouchements par voie basse, et pour les sièges, 37%. Dans tous ces cas, ces accouchements sont réalisés sous haute surveillance, avec l'obstétricien, le pédiatre et l'anesthésiste en salle pour l'expulsion. Actuellement, il n'a plus aucune indication à proposer une césarienne systématique en première intention pour ces cas particuliers. Un entretien est proposé systématique avec la patiente pour exposer les risques, par exemple de rupture utérine de 1% pour les utérus cicatriciels, pour les manœuvres, etc. Et surtout de définir les limites, en particulier quand elles vous emmènent plus loin que où on a l'habitude d'aller. Par exemple, accouchement voie basse sur utérus bicicatriciel ou siège sur utérus cicatriciel. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment une entente tacite, entre une relation de confiance entre les praticiens et la patiente pour bien définir jusqu'où on va. L'année dernière, on a 2 patientes qui ont accouché voie basse après un utérus bicicatriciel. 18% de nos patientes sont déclenchées pour un motif, pour une pathologie maternelle ou fœtale. Les déclenchements de convenance sont plus qu'exceptionnels dans le service. En cas d'arrêt de grossesse, pour les morts fœtales in utero ou les interruptions médicales de grossesse, nous avons un protocole d'accompagnement avec de multiples propositions pour que chaque couple élabore son propre chemin de parentalité. Donc après l'accouchement, ce bébé-là est là. Donc, on le sèche et on le met d'emblée en peau à peau avec maman ou avec papa. Donc, avec maman si c'est un accouchement par voie basse et avec papa si c'est une césarienne. Dans ce cas-là, pour les césariennes, après l'extraction, le bébé est présenté à maman tout de suite. Il est ensuite emmené pour faire les premiers soins et on lui ramène. On essaye de faire un peau à peau quand c'est possible. Et quand ça n'est pas possible, on ramène bébé et papa en salle d'accouchement et c'est le pot à pot avec le papa. Des tétés de bienvenue ou colostral sont proposés à toutes les patientes. Notre service est inscrit dans une démarche IHAB pour favoriser l'établissement du lien parent-enfant avec nos chambres familiales où le papa peut rester. Respecter les rythmes physiologiques de bébé. Aider les parents à devenir autonomes et favoriser, encourager l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est choisi par 45,6% de nos patientes à la sortie de la salle de naissance. Donc en ce qui concerne les sorties, elles s'effectuent à J3 ou J4 d'un accouchement normal, de plus en plus J3, ou à J4, J5 d'une césarienne et de plus en plus J4. En fonction du souhait des patientes et avec l'accord des pédiatres pour le bébé. Une réunion de sortie est proposée pour faire le point avec les patientes pour donner les derniers conseils.
et les patientes peuvent bénéficier du passage d'une sage-femme libérale à domicile, une, deux, voire trois fois, en fonction du moment de la sortie et du désir de la patiente. Grâce au projet PRADO, le programme d'accompagnement de retour à domicile. On a une adhésion de 60 à 70% des patientes, avec une satisfaction de 98%. Ce projet a été mis en place en collaboration avec la CPN. Voilà, donc les résultats que je vous ai présentés, c'est le fruit du travail d'une équipe où chacun, auxiliaire, sage-femme, puéricultrice, médecin, psychologue, on contribue chacun à notre niveau à la prise en charge des patientes. Et pour notre équipe, la bien-traitance, c'est l'essence même de notre profession. Chacun et ensemble, nous sommes perfectibles, nous en avons bien conscience, c'est pour ça qu'il y a des perspectives d'amélioration en réflexion. L'acupuncture qui va bientôt arriver grâce à la formation d'une de nos sages-femmes, l'ostéopathie, la péridurale en ambulatoire ou l'hypnose. La grossesse reste une grande aventure qui vous permettra de faire les plus belles rencontres de votre vie, avec votre enfant, mais surtout avec vous-même. C'est une phase initiatique qui vous montrera que vous êtes toutes capables d'être la mère dont votre enfant a besoin, plutôt que celle que vous rêviez d'être. Et ça, c'est à perpétuité. Merci à tous pour votre attention. Merci Annick. Tu as fait un tour vraiment magnifique et exhaustif de tout ce qui concerne ce sujet-là et tu l'as très bien traité, donc je te remercie, même si la patate était un peu chaude, tu as pu bien t'en sortir. Je laisse la parole à la salle. Une péridurale qui est effectuée, mais les doses varient, les produits varient, et ça permet aux dames de continuer à se balader, plutôt que d'être allongées sur la table d'accouchement tout le long du travail. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a en cours. On l'a déjà fait sur certaines indications en particulier pour les interruptions médicales de grossesse, où la gestion du travail est beaucoup plus difficile. Et ça, on cherche, on est en réflexion pour l'appliquer sur les accouchements tout venant. D'autres questions ? Non, mais je voulais remercier et féliciter pour la présentation. Et simplement dire que entre ce que nous, on souhaite et ce que les gens ressentent, il peut aussi y avoir des discordances, même si on fait du mieux qu'on peut. Que possiblement, tout ce que l'on met en place, c'est aussi à double tranchant, dans la mesure où on développe un tas d'accompagnements, mais que finalement, la seule qui compte, c'est l'accompagnement humain tête à tête. Et que peut-être, que nous avons oublié progressivement de tenir la main pendant tout le travail à une patiente, parce qu'il y a la péridurale et que c'est quand même beaucoup plus confortable d'aller prendre le café. Je dis ça parce qu'on est les premiers à le faire, hein, c'est pas du tout. Mais on a peut-être perdu un petit peu de ce contact humain. Maintenant, on se réapproprie avec d'autres façons de faire. Mais il ne faut pas oublier que même si on met une péridurale, etc., ça n'empêche pas la relation humaine qui est essentielle. C'est ce que j'ai pu exprimer dans oui, la maintenue. Je l'ai bien senti, mais c'est vraiment, je crois, ce qui est important. Et puis après, ben, quoi qu'on fasse, il y a quelquefois des gens qui trouvent qu'on les a maltraités ou qu'on a été violent, alors que ça n'a pas jamais été l'intention des professionnels. On est bien d'accord avec ça. Et ça fait partie de leur histoire de vie, comme tu l'as dit en introduction, que nous, on ignore aussi. Donc, ce n'est pas toujours facile, quand même. Le troisième point, c'est que je pense que la façon dont on présente les accouchements sur les téléviseurs en permanence, avec toutes les émissions, c'est souvent présenté comme quelque chose d'extraordinaire, idyllique, magnifique. Mais la réalité, elle n'a jamais été celle-là. La réalité, c'est un accouchement, ça fait mal, point barre. Hein. À quoi qu'on fasse, j'ai jamais accouché, mais je pense que ça fait mal. Et on finit par penser que ça peut ne pas être douloureux. Mais non, c'est douloureux, c'est tout. Il faut que les gens le sachent. Hein. Il ne faut pas s'en cacher. Et je pense que enfin, voilà un petit peu ce que ce rapport énorme de 200 pages que Marlène Schiappa nous a pondu m'a inspiré comme réflexion. On n'est pas dans les mêmes façons. Les professionnels et les gens, on n'est pas toujours dans les mêmes façons de voir les choses.
faut surtout privilégier la relation de confiance. Tous les accompagnements déjà qu'on propose, c'est sur la base du volontariat, donc il faut que les gens veuillent venir les effectuer, et c'est les problèmes qu'on a avec nos sages-femmes par rapport à tout, la qualité de ce qu'elles proposent et le pourcentage de gens qui suivent les cours de préparation. Donc ça, c'est un peu, et puis il faut vraiment garder cette relation de, on fait un métier, c'est une relation de confiance. Quelqu'un qui vient avec un projet de naissance et qui nous dit « moi je veux pas d'épisiotomie », moi je veux bien, mais je veux dire, je peux pas répondre oui, je peux pas répondre non, je ne peux répondre « madame, je m'engage à ne pas le faire tant que je ne peux ne pas le faire ». Mais à un moment, si je dois le faire, je le ferai. Et ça, ça doit être accepté. J'ai une question. Est-ce que vous avez des refus du péridural ? Certaines femmes qui refusent le péridural. Ah oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'il y a des raisons particulières ou juste comme ça ? Ah non, parce qu'elles veulent un travail psychologique, enfin physiologique, pas psychologique. Non, parce qu'elles veulent un travail physiologique et on les accompagne là-dessus. Là, j'ai dû aller un peu vite, mais sans ça, on a des alternatives à la péridurale. Et puis, ce sont souvent des femmes qui ont bien préparé, bien anticipé et qui arrivent bien prêtes à ne pas avoir de péridurale. Alors après, ça dépend de la durée du travail, etc., comment ça se passe, de quoi on a besoin, etc. Et les plans ? Alors l'hypnose, on en a discuté, il y a pas, on a des deux sages-femmes, je crois, qui sont allées faire une formation. Moi, j'y ai été intéressée. Le problème, c'est que ça ne marche pas bien sur les douleurs aiguës des contractions. Alors ça peut aider beaucoup pour le pré-travail, etc. Par contre, pour les contractions actives de travail, c'est un peu difficile. Enfin, ce que j'avais lu là-dessus, c'était ça. Donc, je vous disais, il y a deux sages-femmes qui sont allées faire les formations. On va pouvoir en rediscuter avec elles et voir ce qu'on peut, comment on peut appliquer dans le service. Il y a une réflexion là-dessus. Il y a un projet qui est en cours, qui était initié par notre psychologue, Madame Dupont, en collaboration avec Bernard Cassetto, le chef de service d'anesthésie. Et c'est un projet qui prend de l'ampleur et qui sera peut-être à étudier. Parce qu'il y a eu des interventions à l'hôpital de Saint-Quentin sous hypnose. Mais bon, pour l'accouchement, ce n'est pas quelque chose de facile non plus. On a médicalisé un peu l'accouchement parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'aspect médico-légal hein, qui est dans l'obstétrique. On a un changement de l'esprit sociétal complètement. Et donc, on est obligé parfois de suivre des recommandations pour certaines choses. Et tu es d'accord avec moi que même celles qui souhaitent accoucher sans péridurale, à un certain moment, on leur dit, bien entendu, si les conditions sont idéales pour que vous puissiez arriver à accoucher sans péridurale, mais s'il y a une indication dite, entre guillemets, médicale, il faudrait mieux la saisir que parfois d'aller à l'encontre de... Voilà, alors, des questions comme ça. L'hypnose avec, Isabelle Dupont, moi j'ai... je vais adresser moi des patientes qui ont des vaginismes ou des choses comme ça et des examens difficiles et il faut travailler. Après, il n'y a pas que la gestion de la douleur, il y a pourquoi est-ce qu'on a mal, pourquoi on a un vaginisme et quelquefois les patientes bloquent à partir du moment où on va chercher un peu loin. Bien, on va reprendre. Je pensais faire, donc, comme vous l'avez annoncé, un duo avec Jean Gondry concernant les IST, mais particulièrement l'HPV. Mais avant, je me suis dit qu'il était intéressant de parler d'une recrudescence actuelle. Et je n'ai nullement l'intention ni la prétention de faire un speech entier sur les infections sexuellement transmissibles, mais surtout... Et je pensais avoir aussi beaucoup de grands publics, des jeunes, comme je disais tout à l'heure à Madame Macares, parce que quand on fait des soirées comme ça ou des informations, c'est surtout toucher le public qui est, j'allais dire, intéressé, et la tranche d'âge qui est, j'allais dire, concernée beaucoup plus. Mais nous sommes tous là pour faire le relais et donner l'information. Donc il s'agit là essentiellement de donner quelques messages pour l'information, la prévention, le dépistage
voire même je survolerai pour la surveillance afin de ne pas avoir des complications, car les complications, c'est ce qu'on craint dans ces infections sexuellement transmissibles. Pour résumer, je dirais qu'on a eu un répit, certes franc, lors de l'épidémie SIDN, parce que vous savez, le sida, quand il a éclos, là, tout le monde avait peur. Il y avait, j'allais dire, une attaque et puis une mobilisation sur tous les fronts, information, prévention, dépistage, les associations, etc. Et là, c'était un répit. Malheureusement, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que l'évolution de la thérapeutique et sa efficacité et, j'allais dire, la facilité de son utilisation ont fait qu'il y a eu un relâchement. Et ce relâchement a aussi son revers de la médaille, puisque depuis plus de 15 ans, on assiste plutôt maintenant à une recrudescence dans les MST. Recrudescence qui est, j'allais dire, très... très nette pour certaines d'entre elles. Alors, si j'avance, c'est comme ça. Donc, c'est les messages que j'essaierai un petit peu de passer lors de cette intervention. Et j'ai mis le HIV comme repère chronologique, non pas pour parler du sida ce soir. J'ai ciblé essentiellement les chlamydiés, les gonocoques et les mycoplasmes génitalium. C'est celui qui intéresse dans 15% des cas les salpingites, donc les infections génitales hautes chez la femme, les hépatites, le vaccin, monsieur Alaouri en a parlé, et vous savez, quand il y a un vaccin qui existe pour une maladie plus sexuellement transmissible, il ne faut pas hésiter à le faire. En plus de la prévention, c'est une combinaison des deux qui pourrait mettre à l'abri de tout cela, parce que malgré tout, je ne sais pas si tu parleras un mot de l'hépatocarcinome, et après on parlera de l'HPV avec Jean, pour l'impact un peu plus différent de ce que je vais traiter. Alors, j'avance un tout petit peu pour vous donner les chiffres. Alors, dans la prévention, je suis parti peut-être un peu trop vite. Donc, pour la prévention, je vous ai parlé de préservatif. Le préservatif a été délaissé là chez les jeunes. Bon, il faudra remettre ça vraiment sur pied. Il faut sortir, on disait sortir couvert, c'était un dogme à la limite. Vaccination et préservatif feront vraiment beaucoup de bien pour la tranche d'âge concernée. Je disais que l'augmentation qui est remarquée, c'est essentiellement de 14 à 25 ans. Donc 20% des jeunes sont concernés par ce type de d'IST, d'infection sexuellement transmissible. Ces jeunes... ne sont pas obligatoirement avec des manifestations cliniques trop parlantes. Le danger viendrait de ces urétrites à bas bruit et qui passent parfois sans se manifester de façon aiguë et qui ne sont pas traitées. Donc toutes les occasions seraient bonnes pour réaliser un dépistage, que ce soit lors d'une consultation. Le premier chef de file, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant qui pourrait orienter les prélèvements, faire le diagnostic et surtout initier le traitement. Il y a aussi les centres de dépistage. Les centres de dépistage sont à la disposition de tout le monde, le SIDAC qu'on appelait, et les centres de planning familial qui prennent en charge gratuitement tous les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans, et on peut trouver le médecin spécialiste, sage-femme, assistante sociale, conseillère conjugale, et ça pourrait être un relais pour l'information et la prévention. Alors, rapidement, comme je vous disais, je ne vais pas parler des traitements, parce que si je prends la gonococcie, c'est les infections sexuellement transmissibles par le gonocoque, il y a une augmentation de plus de 60% les deux dernières années, selon les statistiques données en 2015-2016. Il y a un homme pour trois femmes, ça touche beaucoup plus les femmes. Il y a 40% à peu près d'infections de ce type qui passent sous silence. Le danger, c'est ça, c'est cette affection
silencieuse qui peut évoluer à bas bruit et à la chronicité. Les chlamydies sont en augmentation de 30%, les chlamydies trachomatis. Récemment, on a le chlamydier, le mycoplasme genitalium, qui est beaucoup plus rare, mais qui est difficile à détecter, et qui pourrait aussi être à l'origine d'urétrite, c'est confirmé, et puis de salpingite, c'est-à-dire d'infection génitale haute. Les formes aiguës ne font pas trop peur, parce qu'on va voir des tableaux très criants qui incitent à la consultation, et puis on peut avoir le diagnostic établi et un traitement. Encore faut-il que ce traitement serait bien conduit, parce que dès que parfois on a une amélioration clinique et on ne sent plus rien, le traitement peut être interrompu. Donc là, c'est une faute parce que les formes décapitées sont encore plus dangereuses. Et ça augmente également les résistances aux antibiotiques, ce qui est un fléau actuellement et un problème de santé publique, et le passage à la chronicité. C'est ce passage à la chronicité qui est dangereux, parce que de par cette chronicité, on développe des impacts fâcheux sur la fertilité. C'est parfois un moment de découvrir ces dégâts qui sont passés inaperçus, lors d'un non-aboutissement d'un projet de grossesse. Et il est statistiquement prouvé que pour des salpingites chroniques passées inaperçues ou maltraitées, on a pratiquement 40% de difficultés à une procréation spontanée. Sinon, on peut, je vais vous le montrer sur un schéma. Alors l'infertilité, comme je disais, sur ce schéma-là, vous voyez, l'impact se fait essentiellement sur les trompes, pardon, excusez-moi, je passe déjà tout à l'heure, sur les trompes et l'endomètre. Donc on a des affections annexielles, des endométrites, et c'est à partir de là qu'on parle d'infection génitale haute. Tout ce qui est cervico-vaginite, ce sont les affections basses, donc ça peut se voir avec des pertes un petit peu inhabituelles, ça attire l'attention, des démangeaisons, des douleurs pelviennes, des brûlures à la miction. Donc tout ça, ce sont des signes qui alertent et qui font consulter. Alors, les affections tubaires seraient à l'origine de stérilité dans 10% des cas. Ce sont les cas répertoriés en PMA, en procréation médicalement assistée, avec aussi 9% à peu près de grossesse ectopique, donc de grossesse extra-utérine avec leurs propres risques. Vous voyez que quand même, ce sont des choses importantes à retenir et à diffuser. Pour l'homme, c'est pareil, on ne l'oublie pas. Il y a deux types d'infections, les infections, les urétrites, je vais dire, dites banales, mais qui doivent être traités précocement et bien conduits le traitement afin de permettre, afin d'empêcher d'une part le passage à la chronicité et puis le passage à des niveaux plus hauts dans les annexes, les vésicules séminales, le testicule avec des orchies épididymites et qui donneraient des altérations du sperme et des spermatozoïdes qui sont aussi maintenant démontrés, qui peuvent aboutir à des problèmes d'infertilité importants. Et d'autre part, il faut veiller à ce qu'il y ait une coupure de la chaîne de propagation et de cette contamination, parce que non traité, non découvert, non dépisté, eh bien on continue à semer, et semer, ça fait augmenter le rayon, et puis de l'un à l'autre, c'est la chaîne indéfiniment continue. Pour ce qui est des traitements, où est-ce que j'ai mis ? Ça, c'est une question. Pour ce qui est des traitements, les protocoles sont bien établis, bien validés, et je ne vais pas bien entendu les détailler, mais pour vous dire que, bien conduit en général, on arrive actuellement à stabiliser les choses. Donc, apparemment, on a une recrudescence, certes, mais on a une stabilité dans les infections génitales hautes, voire même une baisse de cela, ce qui est un signe positif. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est essentiellement informer ces gens, informer ces jeunes entre 14 et 25 ans,
que la prévention existe, que la vaccination existe, que les acteurs qui peuvent les aider à se faire diagnostiquer, traiter et surveiller, parce que sans surveillance, parce que si on traite et on ne surveille pas et on ne voit pas que le traitement a été bien conduit, eh bien on pourrait aboutir à des dégâts ultérieurs. Pour le papillomavirus, on va passer la parole à Jean. Est-ce que tu veux qu'on te mette ton diaporama tout de suite? Ou tu le mets tout seul? Ou tu parles sans diaporama? Parce que moi, les questions que je t'ai préparées, elles ne sont pas très très difficiles. Donc c'était tout simplement pour la population en général. Parce que là, tu les as retirées, toi, j'ai vu, de ton diaporama. Parce que là, c'est des initiés qui connaissent la majeure partie de ce qu'on a dit. Allez, à toi. Bien. Bonsoir à tous, et bien on va aborder le problème de l'HPV dans toute sa variété, on va dire, parce que vous avez le cancer du col de l'utérus. Finalement, la publicité qui est faite sur l'HPV, c'est sur le cancer du col de l'utérus. Ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que ça va bien au-delà du cancer du col de l'utérus, et notamment, je ne sais pas si vous faites une relation avec la prématurité. C'est ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que la prévention des infections HPV prévient du cancer du col, bien sûr, mais prévient aussi des faits que vous n'imaginez pas, tels la prématurité. Pourquoi aujourd'hui, en 2018, on a encore plein de cancers du col? On a 3000 cancers du col en France tous les ans, ça n'a pas diminué depuis plus de 20 ans. Vous avez une patiente de 43 ans qui n'a jamais été suivie, on va dire que c'est de sa faute, elle avait qu'à aller voir le gynéco, elle avait fait le frottis. Échec de l'organisation du dépistage, et aujourd'hui en France, on a moins de 60% des gens qui ont un frottis de temps en temps. 45 ans, peu de suivi, son dernier frottis daté de 5 ans. Cancer du col, elle n'avait qu'à faire son frottis dans les temps qui lui étaient demandés, c'est-à-dire tous les 3 ans. Et puis malheureusement, on a aussi des cancers du col, ici à 41 ans, vous voyez des femmes toujours jeunes, c'est ça qui qualifie un peu, qui caractérise les cancers du col, c'est des femmes jeunes, 41 ans, elle avait un frottis tous les ans, pratiquement, bien régulier, négatif, et en dépit de cela, elle a quand même un cancer, ça veut dire qu'on a des échecs du dépistage par le frottis, et aujourd'hui, entre 15 et 20% des cancers du col dépistés en France ont eu un frottis normal dans les 3 ans qui ont précédé le diagnostic de cancer. Ça veut dire que le frottis n'est pas parfait. On le sait depuis très longtemps, et c'est une des raisons pour lesquelles le nombre de cancers ne diminue pas. L'HPV, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est qu'il y a des cancers liés à des infections dans le monde entier. Vous avez Epstein-Barr, l'hépatite B, l'hélicobactère qui donnent des cancers comme agents infectieux, mais vous voyez que c'est l'HPV qui représente la majeure partie des agents infectieux à l'origine des cancers, et notamment environ 5% de nos cancers au total sont liés à de l'HPV au niveau mondial. Cet HPV représente à lui tout seul environ 10% de l'ensemble des cancers chez la femme. C'est le col, c'est aussi le vagin, c'est aussi la vulve, c'est aussi l'anus, et c'est aussi la base de la bouche et de la gorge. Cet HPV est responsable de cancers de 10% des cancers de la femme chez nous en France, mais de 15% si on s'intéresse au niveau mondial. Comment ça marche? L'HPV, c'est un petit virus qui va aller, ça c'est le col de l'utérus. L'exocol, c'est comme de la peau, l'endocol, c'est comme de la glande. Là, c'est le canal où va pénétrer les spermatozoïdes et vont sortir les bébés. Et bien, il y a une couche ici entre les deux, et notre virus, il va toujours aller se cacher là quelque part. Donc nos cancers, ils vont tous se développer à partir de cette zone-là, que vous voyez ici sur une coupe anatomique, le tissu malpighien à la peau, le tissu glandulaire. Il va aller se cacher là en permanence, il peut y rester des années, il peut se manifester, on peut le mettre en évidence, on peut ne pas le mettre en évidence.
Alors voilà notre petit virus. C'est une petite boule, une petite sphère, et l'agent infectieux est à l'intérieur de cette capside. Voilà ici notre coupe de colle. Eh bien, notre virus, il va aller se cacher là. Et il va se cacher là, chez tout le monde. Ça veut dire que 80 à 90% de la population dans sa vie qui a eu une activité sexuelle a eu ou a de l'HPV. Et l'HPV n'est donc pas une maladie. L'HPV, c'est quelque chose avec lequel on vit tous normalement. C'est le déséquilibre entre nos défenses immunitaires et l'HPV qui fait que certaines patientes vont développer un cancer. Vous voyez, ça, c'est la prévalence du HPV, 30 à 40% mise en évidence d'HPV vers l'âge de 30 ans, dans tous les pays ici européens. Notre petit problème français ici, 3000 cancers, c'est rien du tout. C'est quand même notre problème quotidien, mais c'est pas grand-chose. Si vous le voyez au niveau mondial, vous avez la projection du nombre de cancers du col pour 2050, qui est prévu à 1 million nouveaux cas tous les ans de cancer invasif du col, dont l'immense majorité décédera dans les pays qui ne sont pas pris en charge comme on a la chance d'être pris en charge en France. C'est-à-dire que à peu près 3/4 de ces 1 million de cancers du col au niveau mondial vont mourir tous les ans de leur cancer du col chez des femmes de moins de 40 ans. Comment ça marche, l'HPV ? L'HPV, c'est la grosse difficulté, c'est que ces petits virus-là, ils vous donnent plein de manifestations différentes. Il y a 140 types de virus connus aujourd'hui. Il y en a un que vous connaissez bien, par exemple, c'est le type 2 qui va vous donner des verrues sur la main ou sur le pied. C'est la même famille. Ces virus 1, 2 sont tout à fait bénins, ne donnent pas de problème. Les virus 6 et 11 qu'on a au niveau génital, ils vont vous donner des verrues génitales, des condylomes qui ne donneront jamais de cancer. Il y a d'autres virus comme le 16, le 45, le 31, le 18 qui, eux, sont potentiellement vous donner des cancers. Donc ce virus, il va donner des histoires de lésions de bas grade et des lésions de haut grade. Ces lésions de haut grade sont des lésions qu'on repère par le frottis. Le frottis, on frotte là-dessus et on repère des cellules anormales. On fait ce qu'on appelle une colposcopie, on fait une biopsie ici, et l'ANAPAC nous répond, lésion histologique de haut grade, c'est le précurseur du cancer. Donc quand on fait du frottis, on ne dépiste pas le cancer. Quand on fait du frottis, on prévient le cancer en dépistant des lésions précancéreuses et en traitant les lésions précancéreuses pour qu'elles ne deviennent pas des cancers. Comment on les traite ? Eh bien, on les enlève. On les enlève en les coupant avec un petit bistouri, tout simplement, ici, vous voyez, c'est vite fait. Au bloc, on a fait une anesthésie locale ou générale, et toute la lésion du col qui était atteinte par les transformations liées à l'HPV sont ôtées, c'est ce qu'on appelle une conisation. Cette conisation nous enlève donc un petit morceau de col, vous mesurez ici, à hauteur du col, enlevé à peu près 1,5 cm. Voilà le résultat des conisations. Conisation, quelquefois, heureusement elles sont rarement comme ça, elle vous ampute le col, il ne vous reste plus qu'un tout petit morceau ici. Ici, chez une patiente qui a été traitée pour une lésion de bas grade, qui n'aurait jamais dû bénéficier de conisation, parce qu'une bas grade, c'est une verrue bénigne qui ne donne jamais de cancer. Évidemment, elle a accouché prématurément à 30 semaines d'un petit enfant après 2 mois d'hospitalisation. Ça veut dire, et c'est la diapo au départ, si on prévient l'infection HPV, on réduira les lésions précancéreuses, on réduira les conisations et on réduira les accidents liés à nos conisations. Quand on enlève un morceau de col de moins d'un centimètre, vous multipliez votre risque d'accoucher prématurément de 1,5. Quand vous prenez le col tel que celui que je vous ai montré sur la vidéo, vous augmentez votre risque de 2,7 par rapport à votre risque naturel d'avoir un enfant prématuré. Et si vous faites des cônes encore plus haut, votre risque va être augmenté par 5. Donc vous augmentez de façon très importante le devenir de ces enfants. Et on peut voir ça différemment. Pour 100 conisations, on provoque un enfant de moins de 2 kg. Pour 150, un enfant de moins de 32 semaines. Et pour 500 conisations, avec toute la prématurité, on va être responsable d'un décès périnatal. Et je ne vous parle pas de la morbidité. Donc finalement, le message au stade où on en est, c'est évitons d'être infectés par l'HPV pour ne pas être amenés à traiter des cols qui vont eux-mêmes être responsables des complications obstétricales, d'où la première diapositive.
Une femme sur quatre qui a une colonisation aujourd'hui sera enceinte en France. Vous voyez les conséquences sur le devenir de nos enfants. L'HPV, ça donne des lésions précancéreuses sur le col, mais ça donne aussi des lésions dites de Pagrat, des verrues, de Hochrat, du cancer, et toutes les localisations sont possibles, et on va visiter un peu toutes ces localisations. Énorme tumeur ici sur le col, c'est complètement bénin, c'est des condylomes, c'est très contagieux, c'est assez vilain, et ça peut saigner, mais c'est bénin. Sur la vulve, des lésions ici condylomateuses, encore une fois, liées à de l'HPV 6 ou 11. Ce n'est pas du cancer, ce n'est pas du pré-cancer, mais c'est des verrues génitales, assez disgracieuses et contagieuses. Vous avez la même chose ici au niveau de la vulve, beaucoup plus discret. Tout ça, ici, vous avez plein de lésions virales qui vont pouvoir dégénérer vers le cancer. C'est des lésions vulvaires pré-cancéreuses. Vous les voyez ici à fort grossissement. Ces lésions qui ressemblent à des verrues, entre guillemets, mais induites par l'HPV au risque, potentiellement, devenir un cancer. Une plaque comme ça, ici, une maladie de Bowen, c'est une lésion liée à de l'HPV 16 qui peut devenir un cancer aussi. Donc ça, c'est ce que je vous ai un peu illustré comme lésion de Hochrat. Vous avez malheureusement les cancers du col, les cancers de la vulve, induites par l'HPV, les cancers du vagin, induits par l'HPV, et les cancers de l'anus chez la femme, induits par l'HPV, mais vous en avez autant, voire plus chez l'homme, également de cancers de l'anus, bien sûr, induits par l'HPV. C'est vrai que j'ai toujours tendance à m'intéresser plus à la pathologie féminine que l'on revoit, mais il y a, vous pouvez mettre le chiffre encore de 1500 cancers chez les hommes. Ils sont majoritairement liés à l'HPV 16 ou 18, vous voyez, entre 70 et 90% de nos lésions sont liées à ce type d'HPV. Cancer, col, c'était la première dia, ici cancer sur la vulve. Cancer de la vulve, ici une femme de 32 ans. Vous voyez les gens qui ont des... Zut, je vais y arriver. Patiente, pathologie rhumatoïde, traitement immunosuppresseur. Si elle est immunodéprimée, parce qu'elle a eu une greffe, parce qu'elle a une pathologie X ou Y, ses défenses immunitaires contre l'HPV vont diminuer et l'HPV va être capable de rentrer dans la cellule, de la transformer, de cancériser les cellules. C'est ce qui se passe ici sur sa vulve. Vous voyez que secondairement à son affection et son traitement, elle va avoir une lésion vulvaire. Vous voyez comment c'est important et comment ça devient délabrant au niveau chirurgical. On enlève des morceaux de vulve complets. Certes, on fait des plasties, on répare, on fait ce qu'on peut, mais c'est quand même pas terrible. Les lésions sur l'anus, exactement les mêmes que sur le col. Vous avez des lésions ici précancéreuses que l'on voit très bien en mettant un petit spéculum au niveau anal. On a exactement les mêmes lésions et qui sont plus fréquentes encore que celles sur le col, sauf qu'elles dégénéreraient probablement moins. Plus inhabituel, vous avez exactement ici une lésion liée à de l'HPV 16 sur l'œil. Et vous regardez cette image-là, ça ressemble très fort à celle que vous avez ici sur le col. C'est les mêmes images, c'est le même agent pathogène. Vous avez entendu parler de Michael Douglas avec sa cancer de l'amygdale. Donc aujourd'hui, on sait qu'entre 20 et 50% des cancers de la gorge sont liés à de l'HPV. Donc aujourd'hui, l'HPV, il ne faut pas voir le col de l'utérus. C'est toute la pathologie génitale, c'est toute la pathologie anale chez l'homme et chez la femme, et les cancers de la gorge. Pourquoi aujourd'hui en France, on n'est pas top? Parce que 60% des patients participent au dépistage par frottis, que le frottis n'est pas parfait, on a des cancers en dépit des frottis. Cette prévention secondaire, frottis, biopsie, conisation, a des conséquences bien documentées sur le devenir des grossesses. Or, aujourd'hui, on est en capacité médicale à éradiquer tout ce que je viens de vous montrer. Ça date de 1994. Cancer du col de l'utérus, éradication à portée de la main. Amélioration du frottis, d'accord, et vaccin contre le papillomavirus. Ça, c'est 1994. La vaccination HPV, vous me voyez venir. Elle est recommandée dans tous les pays d'Europe, ça c'est uniquement les pays d'Europe, entre 11 et 14 ans pour l'immense majorité des pays. Elle est seulement obligatoire ici en Estonie, c'est un peu curieux, mais là c'est le seul pays où c'est strictement obligatoire.
mais elle est réalisée dans un nombre de pays considérables où le taux de vaccination est supérieur à 70%. Vous avez tous les pays qui sont en vert ici, pays du Nord, Angleterre, Italie, Espagne, Portugal, où les taux de couverture par la vaccination chez les filles de 11 à 14 ans est supérieur à 70%. Ils arrivent à 85% au Portugal, par exemple, 87% en Angleterre. Il y a quelques pays qui vaccinent garçons et filles. On a deux populations ici en Europe, mais dans l'immense majorité, c'est surtout les filles. Ce vaccin, depuis 2007, a fait ses preuves cliniques de disparition des lésions ici condylomateuses liées à l'HPV 6 et 11 en Australie. Et ce que l'on montre, c'est que ça profite à ceux qui sont vaccinés, mais ça profite aussi à ceux qui ne sont pas vaccinés, puisque la disparition des anomalies suit également la courbe chez les gens non vaccinés. Donc c'est bien ce que nous disait notre pédiatre en introduction, quand on se vaccine, on se traite pour soi, mais on traite aussi tous ceux qui nous entourent, et ça c'est quelque chose d'important. On a des preuves scientifiques, je ne vais pas détailler ça, sur tout ce qui existe en termes d'efficacité du vaccin HPV, et pourtant en France, vous savez que notre taux de vaccination est de moins de 20%, 17-18%. On est l'exception française européenne. Exception. Pourquoi ? 2011, je ne sais pas si ça va vous rappeler des petits souvenirs. Après le Mediator, va-t-on vers un nouvel scandale de santé publique ? TF1, journal de 20h, évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. À l'infini, la rumeur monte dans tous les machins. Méfiez-vous des médicaments, les médicaments sous surveillance, qui par docteur, garde-asile, demande d'indemnisation. Controverse autour du garde-asile, elle vient calvaire à cause d'un vaccin. Attention, c'est épouvantable de se faire vacciner. Et il y a même, sur les sites internet, victime du vaccin garde-asile, inscrivez-vous, déposez plainte, tout ce que vous voulez. Non à la vaccination massive. Donc les anti-vaccins continuent à se faire porte-parole important de quelques personnalités qui voudraient voir ce vaccin disparaître. Et vous voyez l'efficacité 2011. On était à peu près à 40%, on est chuté en dessous de 15%, et depuis, on n'est pas remonté depuis 2011. Donc, 2013, télé, 20h, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jeune femme de 18 ans, originaire des Landes, Marie-Océane Bourguignon, qui a été vaccinée, qui après n'a plus réussi à faire le sport qu'elle souhaitait, et qui avait une maladie dégénérative neurologique. Donc on a dit, c'est comme l'hépatite B, ça donne la sclérose en plaques, ça donne tout ce que vous voulez. Pour une fois en France, il y a eu une étude assez extraordinaire et importante qui a comparé 1 million de jeunes filles vaccinées comparées à 800 000 non vaccinées, même âge à parier, et qui a observé sur toutes les données qu'on a grâce à leur carte vitale et leur devenir d'hospitalisation, etc. Aucune modification dans un groupe par rapport à l'autre. Il y a des scléroses en plaques dans un groupe, il y a des scléroses en plaques dans l'autre groupe qui sont strictement au même nombre. Alors je comprends qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit, quand on est parent, qu'on vaccine sa fille, que 3 mois après elle fait une sclérose en plaques, il est évident qu'on va dire que c'est à cause du vaccin qu'elle a sa sclérose en plaques. Sauf que la réalité, c'est qu'elle n'aurait pas eu son vaccin, elle aurait quand même eu sa sclérose en plaques. Mais c'est difficile d'expliquer ça, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il n'y a aucun lien de causalité entre les deux événements, et ceci est parfaitement établi, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Point d'amélioration possible, une volonté politique, et notre ministre aujourd'hui est très favorable à la vaccination garçons et filles, je ne vais pas dire obligatoire, mais en tout cas très incitative pour cette population 11-14 ans. On a une petite amélioration par le dernier vaccin qui est sorti au mois de septembre en France avec le Gardasil 9 qui ajoute d'autres types d'HPV à la série 17-18, 11 et 16, puisqu'on a 33, 45, 31, 35, 52 et qu'on réduirait, vous voyez, c'est quand même un petit peu à la marge,
cancer du col 86% avec le quadrivalent, 90% avec le non-avalent, c'est un petit plus. Je ne dis pas que c'est une révolution, c'est un plus. Et c'est un plus aussi pour les cancers vulvaires, vaginaux et anal. Tout ça, ça améliore un peu les choses, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de perdre dans l'idée qu'il y a des effets pervers de la vaccination. Pour l'HPV, au niveau mondial, c'est parfaitement établi. On a réduit les lésions précancéreuses de façon significative et donc les accouchements prématurés induits par l'éconisation. Et aujourd'hui, on a les premiers résultats montrant une réduction des cancers invasifs du col, notamment en Suède. L'Australie, qui depuis 2007 vaccine les filles et depuis 2011 garçons et filles, a aujourd'hui des taux de prélèvement d'HPV chez les gens entre guillemets vierges, c'est-à-dire avant les vaccinations vers 11 ans, on ne retrouve plus d'HPV, ce qu'on retrouvait avant dans des taux beaucoup plus importants, et chez les adolescents, c'est encore plus important. Donc l'Australie dit aujourd'hui, le cancer du col n'est plus un problème en Australie, il va disparaître. Et quand on dit cancer du col, c'est une goutte, mais il y a vagin, vulve, anus, gorge. Donc, l'efficacité de nos vaccins est prouvée, même si je ne suis pas là pour faire de la publicité pour le vaccin, je ne l'ai acheté par personne, il ne faut pas croire ça du tout. Mais je suis convaincu que c'est un bien-être pour l'ensemble de la population et c'est pour ça que je défends cette prévention primaire qui évite les effets négatifs de la prévention secondaire, c'est-à-dire protéiconisation, qui certes a bien amélioré les choses, mais qui a des limites. Et donc l'association de tout ça nous permettrait de voir disparaître toutes ces lésions HPV induites, comme on a vu disparaître la polio grâce à la vaccination, 88 350 000 cas, 2004 000 cas au niveau mondial. La différence de toutes ces préventions de la varicelle, de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche grâce à la vaccination, tous les ans, sauve à peu près 6 millions de personnes que l'on avait avant ces vaccinations. J'espère vous avoir convaincu. Après ce grand progrès de cette dernière décade, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. C'était très clair, comme d'habitude. Ce que je voulais te poser comme première question, Jean, si je peux me permettre, est-ce que, comme on sait, les associations des germes dans les lits dits du cancer, quand on a HPV, bien sûr, on cherche les autres, mais est-ce que cette notion est toujours d'actualité de dire que l'HPV oncogène est incriminé dans le cancer vulve, col, vagin, anus? Est-ce que les autres germes font le lit de ce cancer ou pas? Il n'y a aucune preuve là-dessus. Ce que l'on sait, c'est que le tabac est un co-carcinogène parce qu'il favorise l'intégration du génome du virus dans la cellule, l'immunité cellulaire étant altérée par le tabac, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on réduit le tabac, on réduit la probabilité d'avoir un cancer, même si on a le même HPV que la voisine. Donc c'est un co-carcinogène important. Mais pas l'herpès, pas le chlamydia, pas tout ça. Aujourd'hui, hein, peut-être qu'on fait. Mais avant, on avait l'idée que 70% d'associations de germes pouvaient faire le lit quand il y a l'HPV oncogène qui vient, surtout l'herpès. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces notions. Je me souviens surtout que quand j'ai commencé mes études, il y a très longtemps, c'était l'herpès qui était responsable du cancer du col. Hein. On ne parlait pas du tout d'HPV. Je veux dire, ça a été quand même une connaissance qui a évolué très rapidement. Mais aujourd'hui, l'herpès n'est plus du tout incriminé dans le cancer du col, du tout. Oui, parce que moi, 80% de la population sont porteurs d'anticorps anti-herpès. La salle d'abord. Des questions? Donc, Yann Kayali, je suis médecin biologiste au laboratoire Novabio. Et ce que je voulais un petit peu ajouter au niveau des possibilités de dépistage, donc comme le docteur Damani vous a dit, pour l'ensemble du dépistage des infections sexuellement transmissibles, on peut s'adresser à son médecin, on peut s'adresser à des centres de dépistage, mais il y a aussi des possibilités de faire des dépistages directement au laboratoire, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'ordonnance, vous pouvez venir, on peut vous faire la prise de sang. Alors bien sûr, dans ce cas-là, ce n'est pas remboursé,
mais ça concerne des gens qui, en général, n'ont pas envie de voir leur médecin pour des raisons diverses et variées, parce qu'ils n'ont pas envie de leur expliquer pourquoi ils veulent faire un dépistage. Ils préfèrent aller dans des lieux où ils sont un petit peu moins connus. Et il y a des possibilités de faire des autotests en pharmacie, donc là, on va directement acheter son test. Il y a aussi une possibilité de le faire au laboratoire. Et disons que les tests de laboratoire sont quand même un petit peu plus fiables que les autotests de pharmacie. La deuxième chose aussi, c'est que par rapport au frottis de dépistage, c'est vrai qu'il y a un petit problème de population médicale en termes de gynécologues, et nous avons un certain nombre de patientes qui n'ont pas vu de gynécologue depuis très longtemps, et qui parfois nous sont adressées directement par leur médecin généraliste pour faire un frottis. Donc on peut aussi faire les frottis au laboratoire. Alors bien entendu, ce n'est pas une consultation gynécologique, mais disons que ça peut, pour certaines personnes qui ne seraient pas du tout passées dans le circuit, parfois ce sont des gens qui n'ont pas eu de frottis depuis 10 ans, 15 ans. Je pense que c'est bien que s'il y a un premier relais qui pourrait se faire comme ça, d'accord, mais le frottis c'est une chose, la consultation spécialisée c'est une autre, donc on ne fait pas un prélèvement par une technicienne tout simplement. Ah, ce n'est pas une technicienne, hein, c'est obligatoirement un biologiste. Un biologiste qui n'a peut-être pas... Non, mais c'est une alternative qui pourrait être envisagée, mais pour les autres dépistages, on a des centres de, comme je l'avais dit dans mon laïus sur les centres de SIDAG, là, anonymes et gratuits, les centres de planification, et puis bien entendu le recours au cas où, c'est comme là, on essaye de faire vacciner par les pharmaciens, on essaye de... Bon, ce sont des choses, des pratiques qui ne sont pas, habituellement acceptées actuellement, mais pourquoi pas. Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, je voulais la réflexion sur les médecins traitants. Il faut former nos internes de médecine générale qui viennent dans nos services à réaliser des frottis. Parce que on arrive déjà en deuxième ligne. On voit des gens arriver qui sont déjà sélectionnés, entre guillemets, donc soit adressés par les médecins généralistes pour anomalies au niveau du frottis, ou qui viennent, alors que les médecins généralistes touchent la majorité des femmes. Donc c'est ça qu'il faut plutôt encourager, les femmes vont plus facilement chez le médecin traitant que d'aller au laboratoire ou aller voir un gynéco. D'autres questions ? Alors, ce soir, j'espère que les messages sont clairs. On a repris un petit peu les moyens d'information, comme ce qu'on fait ce soir, pour que ce soit relayé par d'autres personnes ou par d'autres moyens, afin d'aboutir, afin d'obtenir les objectifs qui sont les nôtres, parce que ça reste une discussion fermée, mais il faudra que ça touche ces populations jeunes qui sont concernées, comme je disais tout à l'heure, et que le danger vient de ces chaînes de contamination qui ne sont pas coupées par ce dépistage et par l'information, par les préventions. Il faut être très attentif à cela. Moi, je vois quand on fait les journées du sida, on nous invite pour parler, et dans l'assistance, on voit très peu de jeunes. Bon, on espère que le relais sera fait. Mais les jeunes, il faut aller les toucher, comme je disais tout à l'heure, Madame Macarès, peut-être, au niveau des écoles et des professeurs, pour qu'ils les amènent à des réunions comme celle-ci. Parce que si je n'ai pas détaillé sur les infections sexuellement transmissibles, c'est parce que ce n'est pas le but de cela. Ce que je voudrais faire passer, c'est des messages. Si Jean Gondry a éliminé plein de plaques pour les initiés, il a donné le principal, c'est-à-dire que vous voyez le taux de frottis chez les femmes en France sont de 60%. C'est très faible. Il faudrait, en plus, il est remboursé, il peut apporter beaucoup. Et la vaccination, moins de 20% en France. C'est une catastrophe. Donc le pédiatre, le gynécologue référent insistent pour que ce soit relayé, pour que les gens... Parce que jusqu'alors, la vaccination est avec la permission des parents, Jean. Ça reste toujours comme ça. Bien qu'on ne peut pas, pour les gens, les jeunes qui viennent au centre de planification, leur proposer ça sans l'accord des parents. Ça serait hors la loi. Donc, peut-être qu'un jour, ça changera. Peut-être. Ouais, tellement compliqué. Mais tellement simple pour aboutir, comme en Australie, ce qui se passe...
À propos du cancer du pénis, est-ce qu'il y a des chiffres actuellement ? Oui, il y a aussi quelques cancers du pénis, du frein, HPV induit bien sûr, mais c'est quelques centaines, on va dire, c'est pas grand-chose. Hein. Mais ça existe, hein, mais je n'ai pas détaillé tout ça, mais ça existe. Non, mais ouais. C'est pour dire que ouais. ça peut exister. Ouais, tout à fait. Oui, vous disiez qu'il fallait faire venir les jeunes, mais je pense que ce n'est pas le soir. Je crois que c'est justement les mesures gouvernementales la prochaine où on demande aux étudiants en médecine de venir faire de la prévention dans les établissements, parce qu'évidemment, c'est difficile de les faire venir le soir. Donc je pense qu'il est difficile pour vous de vous déplacer et dans ces établissements, parce que ça prend une demi-journée à se déplacer puis à venir faire la le truc. Et donc je pense que cette mesure de faire participer les étudiants en médecine pour venir faire de la prévention dans les établissements sera une bonne... Mais c'est déjà relayé par les centres de planification. Les sages-femmes vont dans les lycées. On est conscient de ce qui pourrait donner résultat. Et les sages-femmes du service, ici présentes d'ailleurs, qui font des interventions, il y a une programmation. Je crois que Mme Courtois, qui est là aussi, directrice du centre de planification, vous avez eu une réunion hier, et puis il y a des projets, et on essaye de toucher le maximum de monde de manière simple et directe. Et voilà, donc c'est à poursuivre. Je pensais que le grand public viendrait davantage, mais peut-être qu'il sera relayé par les informations qui sont enregistrées ce soir, et puis qu'on aura le retour au centre hospitalier de la visite de la ville à l'hôpital. C'était un petit peu l'objectif de ce programme qu'on a mis en place au niveau du pôle 1. On voulait venir en ville pour les gens et inviter les autres à venir nous voir à l'hôpital pour leur faire découvrir les unités et avec toutes les activités qui sont à leur disposition. Je pense surtout voilà, aux sages-femmes qui ont multiplié les séances de préparation à la naissance de la natation, les équipes de l'IHAB. Il y a plein d'activités qui ne sont pas vraiment découvertes directement par le public et ça serait bien que les gens se déplacent au centre hospitalier pour en prendre conscience sur place et des visites guidées en fait. Je tiens à vous remercier d'être venu. Et je remercie Jean de nous avoir enseigné ces dernières données sur le cancer du col et l'HPV, rebelle oncogène de la femme et de l'homme. Entre parenthèses, les anneaux rectites, là, qui, chez les homos le plus souvent, 85, j'étais vraiment interpellé, 85% des cas sont asymptomatiques. Et après, ça fait un, hein, c'est ça Jean ? C'est le pourcentage. Voilà, je remercie M. Alaouari de nous avoir enseigné, Mme Dron d'avoir fait un speech magnifique, et votre participation aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est le Beaujolais nouveau ce soir, paraît-il.